la présidentielle du 12 août. Non au bulletin électoral, je m'aille la citer président. Je vais le mettre dans le centre de la campagne. Par ailleurs, la réflexion à faire, je vais le mettre de l'opposition. Selon l'AFP. L'Italie et la France condamnent les violences en Libye, ainsi que l'initiative d'affaiblissement du pouvoir en place en Californie dans un communiqué qu'on a publié samedi à Rome. L'État exhorte tous les groupes armés à cesser immédiatement toute action militaire et à ceux qui compromettent la sécurité à Tripoli et ailleurs en Libye, qui seront tenus pour responsables de ces actions. Le seul aéroport en service tous les vols avec des combats près de la capitale libyenne qui ont fait au moins 30 morts. Tous en route, donc, Jean-Denis Bush et Barack Obama ont rendu aujourd'hui un tout grand hommage à l'Amérique italienne, saluant une personnalité politique porteuse unité dans une Amérique complètement divisée, plusieurs centaines de personnalités politiques de tous les deux, et avec la famille de l'Ukraine. Sa mère Roberta, je dis, à la capitale de l'Ouest.